Eh bien salut à tous, c'est Rocket, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur War Thunder avec Drastic. Bonjour Drastic, comment vas-tu? Faire enculer. On va sur Speedy Gonzalez, let's go. J'étais où? Je te vois pas, ok. Mais ah ouais, t'es où? Pas plus haut dans le ciel qu'on puisse fondre sur eux. Fondre. Tel le frère de la Khaleesi. Voilà. Il a pas tellement fondu hein, on lui a plus fondu un truc sur la gueule à lui. Non, je vais pas parler de ça, sinon les gens ils vont m'engueuler, ils vont mettre des pouces rouges parce que j'aurais spoil. Parce qu'ils auront pas vu la saison 3 de Game of Thrones. Alors... Oh, y'a Hammer là. Ouais. AFC, HAFC. Build Top Gun. Ça marche. Top Gun le mec, déjà tu vois le mec à son niveau. Le mec, ouais, le mec il est déjà chaud. Il est fan de Tom Cruise. Ouais. Tu vois, de base. Le mec il est chaud. Mec déjà c'est lui qui fait toutes les cascades dans War Thunder, il est chaud. Tu sens qu'il a quelques tendances gay, tu vois. Tu le sais. Il est pas gay. Tom Cruise il est gay? Top Gun ouais, c'est une pédale. Mais en vrai il est gay ou pas Tom Cruise? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que je lui mets? Ce qu'il va te mettre surtout c'est un bombardier mon gars. Ah ouais regarde. Ah ouais. Pourquoi je suis en flamme? Ok, on fait la tactique de la tournoyance pour sécher les flammes. Pareil. Vas-y, pète-le. Fais gaffe, il y en a un autre qui arrive là. Il est mort. C'est bon, avion détruit. Moi, je viens d'en avoir un là. Un P-61. Nice. Bah, tiens, celui qui allait m'enculer en plus. Ouais. Franchement, mon avion, j'ai une fuite de carburant, j'ai plus d'essence. Je me pose. Ça va être chaud. Oh non. Oula. Calme-toi, petit avion. Des arbres devant toi, fais attention. Ouais, bah c'est bon, j'ai atterri à moitié. Au moins, il a pas explosé, c'est le principal. Oh. Ok, ça a compté la victime. The what? Build Top Gun? Vas-y, je me fais killer à Bill. Oh non, il m'a foncé dessus. Collision d'avion. Putain, mon Spitfire. Triste. Faut savoir que Drastic est plutôt au level d'un War Thunder. Faut savoir que s'il l'a pas fait légalement, hein, il a... Je sais que si, bah, la plupart si. Hein. Il y a juste là sur la fin, ça me casse les couilles, j'en ai marre d'attendre des avions en réaction. Surtout quand tu joues avec des avions de merde, la P-38 pourrie. Hein. Donc voilà, donc pour jouer à Arma 3... Il a déboursé 2000 euros et pour jouer à War Thunder, bah 500 euros. Donc voilà. Non, c'est faux. Pour Arma 3, c'est vrai. Pour War Thunder, c'est faux. Voilà. Ouais, si drastique. Et j'ai travaillé, hein. Tu travailles, t'as le droit de dépenser. Mais... Oui, non, mais t'as raison, mais. Mais t'as quand même dépensé 2000 euros pour jouer à Arma 3. Arma 3, c'est la vie. Ah oui? On fait quoi là? On est sur vous là? Et je vais pas y jouer tout le temps non plus. Ah bah si, c'est la vie. Oui, mais de temps en temps faut dormir. Ouais, vas-y là, je me fais Ikea là. Ikea! Pas Jiffy dans le coin quoi. Nazi des deux génies. Il est mort. Il y a Fion. Oh non! C'est Fion qui t'a mis cher non? Bah je sais pas, mais en tout cas, je l'ai bien dans le Fion. L'avion furtif. Y'a un mec, je l'asphalte depuis tout à l'heure, il meurt pas. Je me prends 3 balles et je me fais démonter l'arrière quoi. Tiens, regarde, y'en a un, il dit stupide, drastique dans les commentaires. Renard, il dit stupide team. Ouais, mais ça revient même. On s'en bat les couilles de stupide team. Fais gaffe, tu peux pas... Ok. Vas-y, moi je me fais Vasvada. C'est un P63, mais c'est pas grave. C'est ce que j'ai tué tout à l'heure. Putain. Juste, bah les couilles, ça s'écrit pas comme ça. Ouais, il s'est fait tuer, mais t'es mort? Bah oui, one shot, moi. Mon avion 4K. Il s'est réparti pour Potter. Attends, vas-y.
Attends. Ah, je rigole. C'est un rire forcé ou pas? La suite au prochain. Ah, collision! D'avait un jean, Gant avait le bête cassé. Ah la 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 la. Je peux te la chanter en entière en breton. Bah vas-y. Y'a pas de problème. Vas-y. Si tu veux, j'en ai d'autres. Mais là, une, vas-y. Elle est bien, c'est Analar, c'est-à-dire un signe. Et en fait, l'occurrence, tu rends les. Au... C'était en quelle année? Je sais plus, je crois que c'était au 15e siècle. Ouais. Il y a un duc breton du coup qui avait été chassé de la Bretagne. Ouais. Par le peuple. Ouais. Et en fait, moi je sais que tu t'en bats les couilles, mais il avait été chassé de la Bretagne par le peuple. Ouais. Et le roi de France essayait à ce moment-là de prendre la Bretagne pour lui. Ouais. Où les Bretons ont fait appel au duc qui s'était réfugié en Angleterre. Ouais. Et en fait, le mec est venu. Ouais. Il est revenu avec son bâton et en fait, cette chanson raconte. Le fait qu'il y ait un signe en haut de la tour, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Et regardez le bateau arriver avec le duc. Tu vois ce que je veux dire? Que c'est pas intéressant tout ça.